Salut Strip, moi c'est Zest, on est à Montpellier dans mon atelier. Dans ma peinture, il y a un lien avec le graffiti, ce qui me paraît évident. J'ai pas fait les beaux-arts, j'ai pas fait toutes ces écoles, mais en tout cas j'ai peint, j'ai fait du graffiti pendant un peu plus de 20 ans. On peut retrouver dans les couleurs quelque chose de très flashy qui interpelle, et dans les formes aussi. Cette énergie du trait qui est importante pour moi. C'est vrai que je travaille dans l'instant. Si je commence à faire mon exposition et que je la finis un mois avant, j'ai envie de tout recommencer. Là, je prépare une nouvelle exposition donc, chez Colli Galerie. Elle tourne aussi autour du graffiti, forcément. Et j'ai essayé de faire une expo à 360. Elle commence par les prémices du graffiti, c'est-à-dire ce recouvrement, ces lettres qui se repassent, cette énergie. Et petit à petit, ce graffiti commence à se faire un peu effacer. Les acteurs du graffiti sont aussi les effaceurs. On voit à un moment donné des strates de tout ce graffiti qui existe depuis des années derrière ces murs et qui recommence à repeindre les murs blancs et ainsi de suite. Et en fait, c'est une boucle comme ça que j'essaie de créer. J'ai fait beaucoup de boulot, mais j'avais la peinture en moi, je peignais, je faisais du graffiti, et aujourd'hui j'en vis, donc je peux être que satisfait de ça. Suivez Strip.